Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Luigi Mansion. J'avais envie de tester ce jeu. Tester. Je connais déjà un petit peu le jeu, mais j'avais envie de le faire en vidéo. Nous allons commencer. Oui, j'ai déjà un petit peu regardé comment fonctionne le jeu. Donc, faire une nouvelle partie. On n'avait pas tilté qu'il fallait rappuyer. Bienvenue sur émulateur, hein, les bugs sont farfelus. Ah, moi je m'en fous, je le dis, hein, que c'est sur émulateur. Alors, on est parti pour faire un petit phasophobia là. D'accord. On voit un peu les horizons. Bon, on peut frapper les meubles. Fantôme n'est pas content, il éteint les bougies. C'est une très belle clé. Putain, le coup de tonnerre qui vient plus en même temps. En mode nope. Que ça se veut dire que je dois pas aller par là. Mais on va aller par là. C'est pas drôle. Mario. Non mais qui a des serrures comme ça? Un Nintendo visiblement. Mon boulot est plus dur qu'il n'y paraît. Je suis trop vieux pour courir après ces fantômes. Ah, des fantômes. Enfin, content de te connaître, c'est le professeur Catastrophe. Cette maison semble attirer des fantômes chaque jour. Que fait un jeune comme toi dans un coin comme ça? Oh! Affreux, oui. Très bien, mon gars, allez, suis-moi au galop. C'est Luigi! Le chemin devait se croiser. Je dois dire que c'est une chance. Où sommes-nous? Dans ton cul. Le charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que moi, le professeur Catastrophe, je mène les études sur les fantômes. C'est mon labo, quoi. Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé. Plutôt bizarre. C'est vrai. C'est quoi donc que cette propriété existe bel et bien? Plutôt étrange. Je vais te dire quelque chose. J'ai totalement bugué. Mais ce n'était pas ça. Je vais te dire quelque chose. J'ai vu depuis un bail, ce manoir n'a jamais existé. Il est apparu cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de toi. Pas si c'est un rêve ou une illusion, mais je n'aimerais pas gagner une maison hantée. En te regardant bien, un détail me revient. Un type avec un chapeau rouge comme toi est allé au manoir. Sans même s'arrêter ici. Et je ne l'ai jamais revu. Était-ce une illusion? Je ne sais pas. On se demande tout ce qu'il sait. Non. Qui était ton frère? Mon dieu! Mais c'est terrible! En fait, non. Les sortes de survie contre ces fantômes seraient nuls, sans mon aide. Tu dois le sauver, c'est le plan. T'apprends à combattre les fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Du coup, d'un coup, il connaît le nom de Mario. On va faire ma méthode habituelle. J'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes et la poussière. Je l'ai baptisé Ectoblast 3000. Génial, non? Tu peux aspirer plein de trucs avec. Même parfois, chercher. Waouh! Utilise le bouton R pour aspirer et le bouton C pour changer d'orientation.
La chasse aux fantômes requiert l'utilisation d'une torche. En conjonction avec l'Ectoblast 3000. Faudra la faire. J'en ai attrapé que deux. Oh ta gueule, hein. J'apprends les contrôles dans le jeu. Donc ici, je suppose que c'est pour les fantômes qu'on attrapera plus tard. Bienvenue à la galerie. Ça va, j'ai posé des vannes de toiles dans ma célèbre collection. Maintenant, je n'ai plus que des cadres. Malheureusement, il ne reste plus que des statues ici. Mais tu peux jeter un coup d'œil si tu veux. Fais attention aux endroits suspects. Alors, comment ils ont réussi à faire rentrer une statue? Une très grande statue d'ange. Qu'est-ce qui se passe si je le prends, si j'essaye de le regarder? Bien joué, Jenny. Est-ce que tu sais déjà utiliser ce truc? Ah non. C'est vraiment un viseur catastrophe qu'il a dit ça. Tu finis de méditer sur l'art pour aujourd'hui, Luigi. Ok, d'accord. Nous retournons au labo. Où es-tu, Luigi? Enfin, maintenant, voyons. On va rigoler. Où es-tu passé, Mario? Waha! Hein, Luigi? Waouh, c'est Luigi! Tu as réussi, joli joli! Ah, eh bien, la princesse Peach m'a demandé de venir ici pour trouver Mario. Il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir. Il n'est jamais rentré. Oh, il voulait le voler. En arrivant, le manoir était plein de fantômes. Et je n'ai vu Mario nulle part. Je flippais et je ne savais pas quoi faire. Affreux, horrible. Pfiou! Luigi, tu dois m'aider à trouver Mario. Il ne rentre pas. Peach va se mettre dans un état pas possible. Il va faire une dépression ou un truc du genre. Ciao. Tiens, Luigi, content de te voir. Pour cette nuit orageuse. Tellement pouvoir t'aider. Attends, je sais. Moi, je peux faire ça. Demande-moi de l'aide. Pendant un instant, j'ai cru que c'était un fantôme. Moi, c'est bien, on a déjà un Toad. Oh, alors à la base, il serait déjà cassé, hein. Force de tourner comme ça, je pense. Ça, c'est juste beau pour me faire piéger. Ah oui, non, il faut qu'on aille par là. Bonjour! Là. Oh. Voilà! On aspire la nappe. Oh, magnifique ça! Ça, c'est tout à YouTube monnaie. Belle. Qui a éteint ma bougie? Toi, mais. Oula! Eh bien, les pièces sombres sont dangereuses! Oula, c'est trop de rapide à dire! C'est mon tour, plaire. Comme pour Chapeau Rouge avant toi, héhé. Puis tu errer dans les ténèbres pour toujours. As-tu perdu man... As-tu perdu noir? Voilà. Ouah, ils sont là. Ouah, dans l'aspirateur, hein. Ouah, dans l'aspirateur aussi. Voilà, merci. Hop, toi, tu vas rejoindre tes petits frères, hein, dans l'aspirateur, hein. Voilà, j'ai perdu un PV. Flashback. Si. Voilà, merci. End of flashback. Le fantôme, il m'a touché sans que je le vois ou comment ça se passe? Alors, ah oui, ça paraît logique, le jeu. Il n'y a pas une cave. Ah si, il y a un sous-sol. Un rez-de-chaussée, un étage, un deuxième étage et un toit. Même si toi. Quoi? Non, c'est fantôme. Non, c'est fantôme. Non mais... Toi. C'est fait, oui. Je t'en prie. Ah, c'est pas tout repos, hein, de se débarrasser de ces fantômes. Mon côté Gripsou s'est réveillé. Je sais qu'il y a un fantôme là. Oui. L'argent, fantôme, l'argent. Il réapparaîtra. Ah là, je l'avais dit qu'il réapparaîtrait. Bon appétit. Attends.
Oh non, putain, celui-là, c'est avec ses bananes. Allez, vas-y, on va comment refaire un spawn, c'est ça? Là. Et donc là, il y a de l'argent. Même pas. Ah, une clé. Incroyable. On fait le ménage et on chasse les fantômes en même temps. Je crois que Nintendo va nous faire passer un message. Tiens, notre ami Todd. Je croyais que t'étais au rez-de-chaussée. Ouais, ouais, Mario, où es-tu? Ouais. Oh, j'ai la flemme de faire un bon doublage. Luigi, je suis content que tu m'aies trouvé. Je suis rassuré. S'il te plaît, il faut sauver Mario. J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Les robes, pourquoi vous bougez? Faut dire que j'ai dit l'érable, mais non, j'ai dit les robes. Ça veut dire que j'ai déjà tout fait. Bon, on va enfin aller à droite, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous veut, Catastrophe? Attends, Luigi, c'est moi, Catastrophe. Non, sans déconner, j'aurais cru que c'était Bowser. Détecte une forte activité surnaturelle devant. Ce sont sûrement des fantômes qui se sont échappés de la galerie. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés. Cela n'expose pas leur cœur aussi facilement. Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour le trouver son indice dans son cœur. Pour découvrir comment les surprendre. Wow. Oh, eh bien, je croise les doigts pour toi, Luigi. Oh, de l'argent. De l'argent. C'est un piège. Ça, c'est la bonne porte. Bien essayé le jeu. Oh, oh, oh. Vas-y, essaye de me trouver. Je te vois, toi. Je te vois, et toi, tu ne me vois pas. Oh, oh, oh. Oui, j'ai déjà des dialogues. Aïe. C'est toi qui m'a baffé. Oh, du coup, si je me retourne et... Ah oui, je crois qu'il faut qu'il baille. Et je m'en souviens comment le battre. Waouh! Je pense que c'est une clé normale. Donc, ok, nous devons aller par là. Attends, y a pas des PV dans la pièce précédente. Parti un peu en mode rapidos, hein. Là, m'intéresse. Pas la bonne porte, c'est celle-là, la porte. Hop! C'est-à-dire qu'il y a un fantôme dans les parages. Ah oui! Nouvelle aventure! Oh Dieu! Où est l'inspiration? Hep, 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 hep. Non, moi j'échoue, donc on ouvre la fenêtre. Et je vais t'avoir, je vais t'avoir. Et je t'ai eu! Je sais pas jusqu'où la vidéo va durer, mais ça va être drôle. Todd, il est content, il nous a vu par la fenêtre. Hein. Chambre du maître. Oh putain! Oh putain! Allez, ce fameux bug. Pas d'argent. Pas vraiment. Oui. J'ai oublié ici ce qu'il fallait qu'on fasse. Oh bah. Ouais, dis pas non. Ah, il n'aime pas. Non, non! Hé, hey, t'es déjà avec moi? Le bébé. Alors, comment je fais? Ah! Oh, il va faire de coton! Oh, le bébé va faire de coton! Aïe, tu m'as fait mal! Je voulais juste jouer avec toi! J'aime pas les adultes! Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi? J'en ai vraiment marre! Petit, maintenant, deviens plus petit! Petit, tout petit, minuscule, microscopique, waouh! Ouf! Bien essayé le bébé. Donc je lui balance des balles dans la figure. Oh putain, c'est vrai qu'elles sont chiantes à... Hein.
veux bien qu'il perde plus de PV. C'est toi le bébé. Oh putain. Oh putain, le bébé sous moi. On va la paix. Gueule. J'aurais fait faire comme Crash Bandicoot 3 et me mettre sur le coin. Allez. Aïe. Moi je dis. Hop. Je vais partir par la phase. J'essaye de t'écraser. Ta gueule, putain. Et je poum. Voilà. On a capturé le bébé. Oh, la belle clé rose. Dis, tu m'entends? Eh merci, tu es vivant. J'ai soudainement perdu contact avec toi. J'étais inquiet. Non, mais fatigué après cette longue bataille. La petite mine. Pourquoi ne reviendrais-tu pas au labo pour te remettre de... T'en remettre. Tu inspires un boss fantôme. Ton ectoblastroville est prêt à exploser. Je crois que tu as montré à ce boss qui est le vrai boss ici. Beau travail, Luigi. Tu es toujours en entier, ça me fait plaisir. Regarde-moi cette merveille, j'ai mis 20 ans à la construire. Portrificateur ectoplasmique. Il permet de transformer les fantômes en tableaux et vice-versa. Un exemplaire unique au monde, irremplaçable. Comment fonctionne-t-il? C'est très simple. Il faut juste brancher cette fiche dans cette prise. Et c'est parti, mon gars. Attendez, on a la version québécoise. Oh, que c'est joli, toutes ces pistons, ces leviers, plein de chiens bidules. Il a littéralement inventé la machine à laver. Pas eu le temps de lire. Nous devons donc les pousser pour les rendre plus visibles. Oula. Et les transformer en magnifiques portraits d'ectoplasme. J'ai pas lu le premier texte, mais j'ai lu la fin. Merci Lily, grâce à toi, j'ai pu retransformer ce fantôme en joli tableau, merci. Vous avez pris zone 1. Neville, Lydia, Olivier. Oliver, pardon. Vous avez pris au total 3 fantômes. Vous avez trouvé. Waouh. 2 500 000 de score. 3 415 000. Waouh. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, commenter, tout ce que vous voulez. On se retrouve pour 2 prochaines vidéos sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.